Bonsoir tout le monde, nous voici dans la rubrique des prémices d'un bon lendemain, je crois que c'est ça, ou je ne sais plus comment je l'ai appelé. Nous voici pour préparer l'énergie de demain. J'en profite de ce petit moment exceptionnel de la journée où apparaît le soleil pour faire un retour de ce 1er mai où je me suis complètement prélassée. Enfin, je suis restée assez longtemps dans mon lit. Apparemment, ça m'allait très bien. Ça faisait longtemps. Et voilà. Hein, alors, je ne vois pas très bien. Je sais pas ce que... Il y a beaucoup de reflets dans la caméra. Et donc, du coup, j'espère que pour vous, c'était un petit peu ça, rester dans son lit, lire un bon bouquin, peut-être vous occuper de quelqu'un qui est alité. Voilà, ce genre de choses. À côté de chez nous, il y avait le marché aux fleurs. Mais il faisait frais jusqu'à maintenant. Je profite de ce rayon de soleil pour me mettre sur la terrasse et vous en envoyer un petit peu en même temps. Je reviens aussi sur Eti, c'est un petit coucou à toi, qui peut ressortir des énergies. Je ne fais jamais les énergies pour une seule personne. Hein. C'est pas bien de penser ça, parce que j'ai pas dans l'idée, quand je suis avec une personne, je suis seulement avec une personne et on se fait ça en privé. Maintenant, il est vrai que Joël m'avait dit oui, si jamais on peut faire une question, enfin mon sujet, si on peut le faire passer en voyance, j'ai jamais fait de tirage en direct. Parce que pour l'instant, les réponses lui conviennent. Enfin, je crois que c'est ça. Et puis, si c'était plus, eh ben, je ferai un tirage devant tout le monde. De telle manière à ce qu'on voit comment on peut interpréter les cartes. En forme d'apprentissage. Ah, j'étais pas là à parler. Bref. Si vous voulez ce genre de choses, il y a la page du groupe des 77 que Julien Gabriel a créé. Chacun poste son tirage avec la question qu'il a posée et sa propre réponse. Et après interviennent certaines personnes dont je peux faire partie, mais je peux aussi très bien ne pas interférer ou ne pas intervenir plutôt. Le mieux, c'est que les autres s'y mettent, mais ils n'ont pas que ça à faire, les autres. Les autres, c'est pas... Je peux comprendre que c'est pas leur problème. Voilà. Tout ça pour dire que si on a des questions à poser, Joël, je sais même plus si vous avez le jeu, mais voilà, il est possible d'aller s'inscrire sur le groupe et de faire son propre tirage. Voilà, maintenant que ça c'est fait, demain, nous reprenons... le chemin de l'école, le chemin du travail, ou pas du tout. Moi, je sais que j'ai pris 3 semaines devant moi, voilà, et je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que ces petites vidéos de 5 minutes, c'est vrai que ça peut être sympa. Je sais pas, on verra. Hein, on se laisse un peu aller au feeling, surtout que si il arrivait quelque chose, pas de choses qui fâchent. Allez, c'est parti. Je coupe et cette fois-ci, je vais prendre la carte du dessus. Elle est bien animée celle-là. Non, ben voilà, regardez donc. Alors, une personne me disait d'ailleurs dans le groupe, est-ce que la carte de la saison peut vouloir dire forcément la saison? Non, pas du tout, pas que. Alors effectivement, là on voit la période estivale, mais ça peut être aussi le E de éclairer. Hein,
ça peut vouloir dire plein de choses. On voit les. Puis surtout suivant la carte qui est avant et après, parfois ça fait des formes, des vagues, ça peut nous faire voyager justement dans le courant énergétique et non pas que dans l'image elle-même. Alors là, j'ai pas tellement d'idées qui me viennent, mais à part éclairer et tendre, hein, le E de étendre, étendre les rayons jusqu'au-delà de soi. Voilà, le côté estival, ce rayon de. Là, il fait bon, hein, je vous le dis, ça nous fait penser à l'été. Eh bien, peut-être que demain, on aura cette journée bien plus. Bien plus dans le courant de l'été, enfin, qui nous parle de chaleur, de soleil. C'est vrai que je regarde rarement les chiffres 74, bah c'est un 11. Donc avec une force lumineuse, hein, la force du 11, les guides sont censés éclairer. Les nombres maîtres comme le 11, le 22, le 33, enfin tous les nombres doubles sont des nombres maîtres et ils sont censés nous guider suivant leurs propres caractéristiques. Voilà, et ben, je vais vous souhaiter d'être lumineux pour ce coup-là et de garder cette lumière en soi qui rayonne au-delà. Et je pense à cette lune qui nous demande justement de travailler sur un esprit lumineux. Voilà, bien à tous et je crois que ce soir on va pouvoir s'endormir. Ça me chauffe carrément la cuisse d'ailleurs, avec les 6 derniers rayons de soleil. Et elle en a toujours à rajouter. Je viens tout de suite. Peut-être que ce sera avant que cette vidéo ne passe. Je vous embrasse. Passez une bonne nuit. Et une bonne énergie pour demain.